Abul Ghalid Muhammad ibn Hamad ibn Muhammad ibn Rushd. Un siècle passera avant que ce nom interminable devienne Averroès, à travers Ben Raïst et Evadriz, sans oublier Aben Rassad et Filius Rosadis. Rédigé le 11e chapitre de son œuvre Ta'afutul Ta'afut, Destruction de la destruction, dans lequel il maintient contre l'ascète persan Rezali, auteur de Ta'afut ul Falasifa, Destruction des philosophes, que la divinité connaît seulement les lois générales de l'univers, ce qui concerne les genres et non les individus. Il écrivait avec une lente sécurité de droite à gauche. Son application à former des syllogismes et à enchaîner de vastes paragraphes ne l'empêchait pas de sentir comme un bien-être la fraîche et profonde maison qui l'entourait. Au fond de ce repos s'enrouaient d'amoureuses colombes. De quelques patios invisibles montait le bruit d'une fontaine. Quelque chose dans la chair d'Averroès, dont les ancêtres venaient des déserts arabes, était reconnaissant à cette continuité de l'eau. En bas se trouvaient les jardins, le potager, en bas le Guadalquivir, absorbé par sa tâche, plus loin Cordoue, la ville chère à son cœur, aussi lumineuse que Bagdad et le Caire, comme un instrument complexe et délicat. Et alentour, Averroès le percevait aussi, s'élargissait jusqu'à l'horizon la terre d'Espagne, où il y a peu de choses, mais où chaque chose paraît exister selon un mode substantif et éternel. La plume courait sur le papier, les arguments s'entrelaçaient, irréfutables, mais une légère préoccupation compromettait la béatitude d'Averroès. Le Ta'afut, travail de hasard, n'en était pas le motif, mais un problème de nature philosophique dépendant de l'œuvre monumentale qui justifierait Averroès devant les générations, le commentaire d'Aristote. Ce grec, source de toute philosophie, avait été accordé aux hommes pour leur enseigner tout ce qui se peut savoir. Interpréter ses ouvrages comme font les oulémas le Coran était la difficile entreprise que se proposait Averroès. L'histoire consignerait peu d'événements aussi beaux et aussi pathétiques que ce médecin arabe se consacrant à la pensée d'un homme dont 14 siècles le séparaient. Aux difficultés intrinsèques s'ajoutait le fait qu'Averroès, ignorant du syriaque et du grec, travaillait sur la traduction d'une traduction. La veille, deux mots douteux l'avaient arrêté au seuil de la poétique. Ces mots étaient « tragoedia » et « comoedia ». Il les avait déjà rencontrés des années auparavant au livre 3e de la rhétorique. Personne dans l'islam n'entrevoyait ce qu'il voulait dire. En vain, il avait fatigué les traités d'Alexandre d'Aphrodisie. En vain, compulsé les versions du Nestorien Unayn ibn Ishaq et de Abu Bachar Mehta. Les deux mots arcanes pullulaient dans le texte de la poétique. Impossible de les éluder. Averroès laissa la plume. Il se dit, sans trop y croire, que ce que nous cherchons est souvent à notre portée. Rangea le manuscrit du Ta'afut et se dirigea vers le rayon où étaient alignés, copiés par des calligraphes persans, les nombreux volumes du Mokam de l'aveugle Aben Sida. C'était ridicule d'imaginer qu'il ne les avait pas consultés, mais il était tenté par le vain plaisir d'en tourner les pages. Il fut tiré de cette distraction studieuse par une espèce de mélodie. Il regarda à travers les grilles du balcon. Des enfants demi-nus s'amusaient en bas, dans l'étroite cour de terre. L'un debout sur les épaules de l'autre jouait évidemment le rôle du muezzin. Les yeux bien fermés, il psalmodiait « Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu ». Celui qui le portait immobile représentait le minaret. Un autre, prosterné dans la poussière et agenouillé, l'assemblée des fidèles.
Le jeu s'interrompit vite. Tous voulaient être le muezzin, personne la tour ou les fidèles. Averroès les entendit discuter en dialecte grossier, c'est-à-dire dans l'espagnol naissant de la plèbe musulmane de la péninsule. Il ouvrit le Kitab Oulain de Jalil et pensa avec orgueil que dans Cordoue entière, peut-être dans toute l'Andalousie, il n'y avait pas de copie de l'œuvre parfaite supérieure à celle-ci que l'émir Yacoub al-Mansour lui avait donnée à Tanger. Le nom de ce port lui rappela que le voyageur Aboul Kassim al-Achari, de retour du Maroc, devait dîner avec lui le soir même chez le coraniste Farache. Aboul Kassim devait avoir atteint les royaumes de l'empire de Sin, de la Chine. Ses détracteurs, avec cette logique spéciale que donne la haine, juraient qu'il n'avait jamais foulé le sol de la Chine et que, dans les temples de ce pays, il avait blasphémé le nom d'Allah. Sans aucun doute, la soirée durerait plusieurs heures. Averroès promptement reprit le texte du Tahafut. Il travailla jusqu'au crépuscule de la nuit. La conversation dans la maison de Farache passa des incomparables vertus du gouverneur à celles de son frère, l'émir. Ensuite, dans le jardin, ils parlèrent des roses. Aboul Kassim, qui ne les avait pas regardées, affirma qu'il n'y a pas de roses comparables à celles qui ornent les villes andalouses. Farache ne se laissa pas corrompre. Il signala que le docte Imke Taïlba décrit une superbe variété de la rose perpétuelle qui croît dans les jardins de l'Hindoustan et dont les pétales rouges incarnats portent des caractères qui disent « Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, Mohammed est son prophète ». Il ajouta qu'Aboul Kassim connaissait sûrement ces roses. Aboul Kassim le regarda assez alarmé. S'il répondait oui, tous le tiendraient avec raison pour le plus disponible et le plus occasionnel des imposteurs. S'il répondait non, il le tiendrait pour un infidèle. Il choisit de susurrer que les seigneurs détenaient les clés cachées et qu'il n'existe pas sur terre une seule chose verte ou flétrie qui ne soit pas mentionnée dans son livre. Ces mots appartenaient à l'une des premières sourates. Un murmure de respect les accueillit. Rendu vaniteux par cette victoire dialectique, Aboul Kassim allait dire que le Seigneur est parfait et impénétrable dans ses voies, quand Averroès déclara, anticipant les lointains arguments d'un Hume encore problématique, « J'ai moins de peine à admettre une erreur du docte Ibn Qutaylba ou de ses copistes que l'idée que la terre donne des roses qui confessent la foi. » « C'est vrai, grande et véridique parole, » dit Aboul Kassim. Un voyageur, rappela le poète Abd al-Malik, parle d'un arbre dont les fruits sont des oiseaux verts. Il m'est plus facile de croire à cet arbre qu'à des roses avec des lettres. La couleur des oiseaux, dit Averroès, semble faciliter le miracle. En outre, les oiseaux et les fruits appartiennent au monde de la nature, alors que l'écriture est un art. Passer des feuilles aux oiseaux est plus facile que de passer des roses aux lettres. Un autre invité nia avec indignation que l'écriture fût un art, puisque l'original du Coran, la mère du livre, antérieure à la création, est conservée au ciel. Un autre parla de Chaïs de Basra, qui affirme que le Coran est une substance qui peut prendre la forme d'un homme ou d'un animal, opinion qui paraît s'accorder avec celle des théologiens qui lui attribuent deux faces. Farache exposa longuement la doctrine orthodoxe. Le Coran, dit-il, est un des attributs de Dieu, comme sa piété. On le copie en un livre, on le prononce avec la langue, on s'en souvient avec le cœur. L'idiome, les signes et l'écriture sont l'œuvre des hommes, mais le Coran est irrévocable et éternel. Averroès,
qui avait commenté la République aurait pu dire que la mère du livre est quelque chose comme son modèle platonicien. Il nota que la théologie était un domaine absolument inaccessible à Aboulkassim. D'autres, qui l'avaient aussi remarqué, demandèrent à Aboulkassim de narrer quelques merveilles. Alors, comme aujourd'hui, le monde était atroce. Les audacieux pouvaient le parcourir et aussi les misérables, ceux qui se pliaient à tout. La mémoire d'Aboulkassim était un miroir d'intime lâcheté. Que pouvait-il raconter ? En outre, on exigeait de lui des merveilles, et la merveille est peut-être incommunicable. La lune du Bengale n'est pas identique à la lune du Yémen, mais on la décrit avec les mêmes mots. Aboulkassim hésita, puis il parla. Celui qui parcourt les climats et les villes, affirma-t-il avec onction, voit beaucoup de choses dignes de foi. Celle-ci, par exemple, que je n'ai racontée qu'une fois au roi des Turcs. Elle arriva à Sinkalan, canton, où le fleuve de l'eau de la vie se jette dans la mer. Farage demanda si cette ville se trouvait loin de la muraille qu'Iskander Zulkarnain, Alexandre Bicorne de Macédoine, avait élevé pour contenir Gog et Magog. Des déserts l'en séparent, répondit Aboulkassim avec un orgueil involontaire. Une caravane cheminerait 40 jours avant d'en apercevoir les tours, et autant, paraît-il, pour l'atteindre. À Sinkalan, je n'ai entendu aucun homme qui l'eût vu, ou qui eût vu quelqu'un qui l'eût vu. La crainte de l'épaisseur de l'infini, du pur espace, de la simple matière, émut un instant Averroès. Il regarda le jardin symétrique, se sentit vieilli, inutile, irréel. Aboulkassim disait, « Un soir, les marchands musulmans de Sinkalan me conduisirent à une maison de bois peint où vivaient beaucoup de gens. On ne peut pas raconter comment était cette maison, qui était bien plutôt une seule pièce avec des rangées de réduits ou de balcons placés les uns au-dessus des autres. Dans ces enfoncements, il y avait des gens qui mangeaient et buvaient, de même que sur le sol, et aussi sur une terrasse. Les gens de la terrasse jouaient du tambour et du luth, sauf 15 ou 20 environ, avec des masques de couleur cramoisie, qui priaient, chantaient et conversaient. Ils étaient punis de prison, mais personne ne voyait les cellules. Ils étaient à cheval, mais personne ne voyait leur monture. Ils combattaient, mais les épées étaient en roseau. Ils mouraient, mais ils se relevaient ensuite. Les actes des fous, dit Farage, dépassent les prévisions du sage. Ah, ils n'étaient pas fous, dut préciser Aboulkassim. Ils étaient en train, me dit un marchand, de représenter une histoire. Personne ne comprenait. Personne ne paraissait vouloir comprendre. Confus, Aboulkassim passa d'une narration bienvenue à d'ennuyeuses explications. Il dit en s'aidant avec les mains, « Imaginons que quelqu'un figure une histoire au lieu de la raconter. Supposons qu'il s'agisse de l'histoire des dormants d'Éphèse. Nous les voyons alors se retirer dans la caverne. Nous les voyons prier et dormir. Nous les voyons dormir avec les yeux ouverts. Nous les voyons réveiller au bout de 309 ans, donner aux commerçants une monnaie antique, se réveiller au paradis. Nous les voyons se réveiller avec leurs chiens. C'est un spectacle de ce genre que nous montrèrent ce soir-là les gens de la terrasse. Ces personnes parlaient-elles ? Demanda Farage. Bien sûr, elles parlaient, dit Aboulkassim, converti en avocat de cette séance dont il se souvenait à peine et qu'il avait fort ennuyé. Elles parlaient et chantaient et discouraient. Dans ce cas, conclut Farage, il n'était pas besoin de 20 personnes. Un seul narrateur peut raconter n'importe quoi, quelle qu'en soit la complexité. Tous approuvèrent ce verdict.
On loua les vertus de l'arabe, qui est la langue dont Dieu se sert pour commander aux anges, puis de la poésie des arabes. Abd-al-Malik, après l'avoir approuvé comme il se doit, censura comme retardataire les poètes qui, à Damas et à Cordoue, s'acharnaient à employer des images d'éleveurs et un vocabulaire bédouin. Il dit qu'il était absurde qu'un homme devant qui s'est allé le Guadalquivir célébra l'eau d'un puits. Il estima urgent de rénover les anciennes métaphores. Il dit que quand Zouhair compara le destin à un chameau aveugle, cette figure avait pu étonner les gens, mais que 5 siècles d'admiration l'avaient usée. Tous approuvèrent cette opinion qu'ils avaient déjà souvent entendue de nombreuses bouches. Averroès se taisait. À la fin, il parla moins pour les autres que pour lui-même. Avec moins d'éloquence, dit Averroès, mais avec des arguments analogues, il m'est arrivé de défendre la proposition que soutient Abd-al-Malik. À Alexandrie, il fut avancé que seul est incapable d'une faute, qui déjà l'a commise et déjà s'en est repenti. Ajoutons que pour s'affranchir d'une erreur, il est bon de l'avoir professée. Zouhair, dans une Moalaka, dit qu'au cours de 80 ans de douleur et de gloire, il a vu souvent le destin renverser soudain les hommes comme ferait un chameau aveugle. Abd-al-Malik entend que cette figure ne peut plus nous émerveiller. À cette observation, on peut opposer beaucoup de choses. La première, que si le but d'un poème était de nous étonner, sa durée ne se mesurerait pas en siècles, mais en jours et en heures, peut-être en minutes. La seconde, qu'un grand poète est moins celui qui invente que celui qui découvre. Pour louer Inch'Al de Berja, on a répété que seulement lui pouvait imaginer que les étoiles, à l'aube, tombent lentement du ciel, comme les feuilles tombent des arbres. Ce qui, si c'était vrai, démontrerait que l'image ne vaut rien. L'image qu'un seul homme a pu concevoir est celle qui ne touche personne. Il est infiniment de choses dans le monde. Chacune peut être comparée à toutes les autres. Comparer des étoiles à des feuilles n'est pas moins arbitraire que les comparer à des poissons ou à des oiseaux. En revanche, il n'est personne qui n'ait éprouvé au moins une fois que le destin est puissant et stupide, qu'il est à la fois innocent et inhumain. Le vers de Zouhair se réfère à cette conviction, qui peut être passagère ou permanente, mais que personne n'élude. On ne dira pas mieux ce qu'il a dit là. En outre, et ceci est peut-être l'essentiel de mes réflexions, le temps qui ruine les palais enrichit les vers. Celui de Zouhair, quand il l'écrivit en Arabie, servait à confronter 2 images, celle du chameau vieilli et celle du destin. Répété aujourd'hui, il sert la mémoire de Zouhair et confond notre affliction avec celle du poète mort. La figure avait 2 termes, maintenant elle en a 4. Le temps argumente le contenu des vers, et j'en sais qui, à l'égal de la musique, sont tout pour tous les hommes. Ainsi, il y a des années, poursuivi à Marrakech par le souvenir de Cordoue, je me plaisais à répéter l'apostrophe qu'Abdurrahman adressait dans les jardins de Rouzoufa à une palme africaine. Toi aussi, tu es ô palme en terre étrangère. Singulier privilège de la poésie, des mots écrits par un roi qui regrettait l'Orient me servirent à moi, exilé en Afrique, pour exprimer ma nostalgie de l'Espagne. Averroès, ensuite, parla des premiers poètes, de ceux qui, dans le temps de l'ignorance, avant l'islam, avaient déjà dit toute chose dans le langage infini des déserts. Alarmé, non sans raison, par les futilités d'Ibn Sharaf, il avança que dans les anciens et dans le Coran, toute la poésie était inscrite. L'ambition d'innover venait de l'ignorance. Elle était condamnée à l'échec. Les assistants l'écoutèrent avec plaisir parce qu'il prônait le passé. Les muezzines
appelé à la prière de la première aube quand Averroès rentra dans sa bibliothèque. Dans le harem, les esclaves brunes avaient torturé une esclave rousse, mais il ne devait pas la prendre avant l'après-midi. Quelque chose lui avait révélé le sens de deux mots obscurs. D'une ferme et soigneuse calligraphie, il ajouta ces lignes à son manuscrit. Aristote, appelle tragédie les panégyriques et comédie les satires et anathèmes. D'admirables tragédies et comédies abondent dans les pages du Coran et dans les mots à la casse du sanctuaire. Il eut sommeil et un peu froid. Il détacha son turban et se regarda dans un miroir de métal. Je ne sais ce que virent ses yeux, car aucun historien n'a décrit son visage. Je sais qu'il disparut brusquement, comme si un feu sans lumière l'avait foudroyé, et qu'avec lui disparurent la maison et l'invisible jet d'eau, et les livres, les manuscrits et les colombes, et la multitude des esclaves brunes, et la tremblante esclave rousse, et Farash, et Aboul Kassim, et les rosiers, et peut-être le Guadalquivir. Dans le récit antérieur, j'ai voulu raconter l'histoire d'un échec. J'ai pensé d'abord à l'archevêque de Canterbury qui se proposa de démontrer qu'il existe un Dieu, puis aux alchimistes qui recherchèrent la prière, la pierre philosophale, puis aux 20 trisecteurs de l'angle et équarisseurs du cercle. Je réfléchis ensuite qu'apparaîtrait plus poétique le cas d'un homme qui se proposerait un but qui ne serait pas caché aux autres, mais à lui seul. Je me souvins d'Averroès, qui, prisonnier de la culture de l'islam, ne put jamais savoir la signification des mots « tragédie » et « comédie ». Je racontais son aventure. À mesure que j'avançais, j'éprouvais ce que dut ressentir ce dieu mentionné par Burton qui voulut créer un taureau et créa un buffle. Je compris que mon œuvre se moquait de moi. Je compris qu'Averroès, s'efforçant d'imaginer ce qu'est un drame sans soupçonner ce qu'est un théâtre, n'est pas plus absurde que moi, m'efforçant d'imaginer Averroès sans autre document que quelques miettes de Renan, de Lane, d'Acine Palacios. Je compris à la dernière page que mon récit était un symbole de l'homme que je fus pendant que je l'écrivais, et que pour rédiger ce conte, je devais devenir cet homme, et que pour devenir cet homme, je devais écrire ce conte, et ainsi de suite, à l'infini. Averroès disparaît à l'instant où je cesse de croire en lui.